Jean-Leslie Voltaire te annoncé le jour passé. Et Jean me souhaitait dire tout le monde, les têtes vont tomber, ou bien des têtes vont tomber. Un mec qui te nous dit, décision en prend. Dominique Dupuy, invitation côté ma parole, voilà, convocation. Jeudi mercredi, conseil présidentiel l'a décidé. Li convoqué Dominique Dupuy pour aller bay explication sur sa nouvelle incidence diplomatique qui est arrivée. Côté, mesdames, messieurs, Leslie Voltaire prend honte. Côté, il y a plusieurs mouns qui fait partie du conseil présidentiel là. Ils ont analysé, ils ont demandé comment on va faire pour s'en faire arriver. Et bon, on va traiter connecté ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Nous allons chercher vérité à porter baou là. Nous allons dire exactement ce qui s'est passé. Mais qui raison qui la cause, hein, situation terrible. Malgré Dominique Dupuy, t'es tenté expliquer. Malgré le tête de bail des explications pour le dire, mais raison qui fait incident est produit, et c'est bon côté États-Unis même, ça t'est passé, conseil présidentiel l'a dit, nad marinade. Fuck Dominique Dupuy vin bail explication, et fuck lui dit, comment situation ça t'est fait arriver, je vais te connecter ensemble avec nous là, mesdames, messieurs. Nous allons dire exactement comment ça est, nous allons porter des détails au bas où, 7 octobre, quand vin là, mandat Edgar Leblanc fini. Est-ce que c'est Edgar qui pourra le recommencer? Est-ce que vous pouvez reconduire Edgar Leblanc? Restez là, mesdames, messieurs, parce que grand pile confusion côté ma parole voilà. Entre temps, rapport ULCC apparaît à plus passé 98%. Donc, pour ne pas dire à 100%, rapport ULCC apparaît. Comment situation est? Qui est ce monde, mesdames, messieurs, qui pourra tomber dans le conseil présidentiel là? Restez connectés ensemble avec nous. Nous pouvons faire diagnostic situation pour débat ou là. Nous pouvons le faire comprendre. Parce que bagay red ici dans la République. Gary Conny, il visite nouveau local lycée jeune fille. Lycée jeune fille, dans l'occasion de réouverture des classes, là, mesdames, messieurs, et Gary Conny, il fait en pile promesse, l'école là, il ouvre, et il a lancé réouverture des classes là, dans le sud, et qui te nous dit, gagner deux conseillers présidentiels, Edgar Leblanc, ensemble avec Laurent Cécile, eux-mêmes, il a rendu, mesdames, messieurs, et dans le nord, on dit au Cap Haïtien, pour eux-mêmes, tout, il a procédé à réouverture des classes là, redéconnecté ensemble avec nous, nous prenons le porter détail au bas, là, nous allons venir exactement, mais comment situation y est. La police, ensemble avec pompiers, ils ont décidé, ils ont procédé à une campagne de nettoyage, et bien, il fait un nettoyage dans le commissariat et Kafou Aéroport. Nèg examte attaqué le moment, vivre ensemble, yo te pour contrôler le pays. Et on dit, depuis le sa, commissariat sa, sans sécurité, sans policier. Donc, moun qui a fréquenté aéroport, c'est avec un pile difficulté. Et bien, qui te nous dit, finalement, mesdames, messieurs, la police, li pral reprendre contrôle le commissariat, gen des travaux de nettoyage qui lui-même li a fait. La police annonce, il a continué à mener opération sur plusieurs axes routiers en deux pays. La police fait qu'on est, il a continué à mener opération, et qui te nous dit, il a annoncé diverses mesures, il dit, prend, pour capable arriver, mesdames, messieurs, eh ben, et procéder avec une série d'arrestations, et pour permettre à ce que l'État lui reprenne contrôle d'une série de territoires, et face avec réouverture des classes là, la police annonce, la continue à mener ensemble d'opérations, pour capable arriver, joindre, et bout de bandits, et bandits, même bon côté par eux, continue à lancer ultimatum, bandits, bon côté par eux, ils continuent à lancer des filles à l'État. Ils ont dit, c'est eux qui doivent décider de faire la paix. C'est eux-mêmes qui doivent décider de déposer les armes. Et pas l'État qui pourra intimer au l'ordre. Et pas l'État qui pourra dire ça pour faire. Et pas oublier, mesdames, messieurs, Edgar Leblanc, l'État est rentré dans le pays. Il te demande aux bandits de déposer les armes. Et bandit barbecue, il voit un gros message à Edgar Leblanc. Il demande Edgar Leblanc, où dis-nous déposer les armes, mais à qui condition? Pendant que dis-nous déposer les armes, qui condition mettez sous table? Qui sera bas nous en contrepartie? Bandi a fait la loi. Bandi a posé des conditions à des responsables. Et ceci, des gros responsables. Restez connectés ensemble avec nous là, mesdames, messieurs. Nous allons porter plus de détails. Nous allons voir exactement comment ça est. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir d'entrer la caillou. Nous allons porter actualité à pousser avec un pile plaisir. Encore une fois, nous allons porter un nouveau numéro d'émission dans la caillou. Merci à vous-même qui êtes là. Merci à vous-même qui quittez green like pour là. Merci à vous-même qui commentez. Merci à vous-même qui pourrez le partager. Qui partage déjà, mais qui pourrez estimer que c'est une nécessité pour nous continuer à partager parce que nous connaissons ensemble de partage qui pourrait le mener vidéo à lui-même river plus loin pour la joindre moun kel de jeune. Merci en pile parce que vous êtes connecté ensemble avec nous. Nous pourrons le causer, mesdames, messieurs, mais actualité à nous dit Dominique Dupuy, dans le moment où on a parlé là, il est sur route pour perdre du job. Bon, c'est plus qu'une évidence parce que c'était déjà décidé. Le conseil présidentiel estimait Dominique Dupuy fait perdre la face.
Conseil présidentiel l'a estimé incidence diplomatique, blocus diplomatique qui était là à côté que Edgar Leblanc était de voyager, lui recevoir mail qui dit il pas capable voyager parce que il pas capable et en quelque sorte sécuriser. Et tout de suite après, même Edgar Leblanc ça, mesdames messieurs, il t'a pral joindre un email qui te dit OK, il met vini, mais il mettait toute responsabilité sur dos Dominique Dupuis. Mais vous bagaille me dit nous émission avant. On dit ouais ça qu'a fait là sur question de on pas capable papa me petit là. Par contre, si ça arrive déjà, pour ou non compte avec un monde. Mais le fait que vous gros nèg, vous n'avez pas qu'à faire rien, mais les jeunes ont petit frère, les jeunes ont petit soeur, les jeunes ont amis, hein, les saccagés avec Zoclo, les saccagés avec coup de poing, les pas qu'à, les pas qu'à mettre, les pas qu'à mettre dos à terre, mais les utiliser les amis, les sentir qu'ils sont maillons faibles, les utiliser pour capable passer l'âge. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui a passé là, parce que qui t'aime zou, laisse les vols te demander révocation, gars, ou de comme ça? Ah oui? Laisse-le voir tête éclair. L'idée dit non seulement Dominique Dupuis, mais il faut que Gary Koni révoque tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Laisse-le voir tête plaider en faveur de la révocation de Gary Koni également. Mais nous connaissons Gary Koni, ce n'est pas n'importe qui. Nous connaissons Gary Koni, ce n'est pas un petit monde grand, vous voyez. Nous connaissons Gary Koni, si vous êtes un petit monde grand, mais c'est grand monde tout bon qui voit lui. Vous connaissez pas qu'à faire Gary Koni en merde. Dominique Dupuis pour diable m'pa konnen ki force ki relation Dominique Dupuis gagné dans l'international m'pa konnen comme si ki force Dominique Dupuis m'pa konnen contact m'pa konnen relation Dominique Dupuis mais nèg yo wè Dominique Dupuis comme maillon faible c'est lui même pour attaquer nèg yo convoquer Dominique Dupuis côté que jodi an la côté m'a parlé avant là Dominique Dupuis gen rendez-vous pour la répondre question conseil présidentiel là, pour la bay explication sur ça qui t'est passé là, pour la dire exactement mes raisons qui la cause et conseiller présidentiel laisse li Voltaire li prend humiliation qu'il te prend. Mais ou konn coïncidence qui vient dans bay ça, m'va l'expliquer un bagay. M'va le dire. Ou konnen moun ki signe lettre, moun ki signe lettre de blâme ça, m'a gen lettre là oui. M'a gen lettre là, est-ce que m'pa la ka fò wè lettre là? Et c'est malaka fou ou lettre là, hein? Moun qui signe lettre là, signature moun qui en bas lettre là, bral bonou monsieur, bral bonou monsieur. Adieu, monsieur le Jean-Victor Avel Jean-Baptiste. Ouais, monsieur? Monsieur Dominique Dupuis révoque-le. Attendez bien, oui, le peuple. Dominique Dupuis met-elle sous liste moun que ULCC a mené enquête sous lit. N'a pas avancé, oui? Monsieur Jean Avel, c'est un monde, Dominique Dupuis mette sous liste comme monde qui n'a corruption. ULCC a mené enquête sous monsieur côté ma pala voilà, n'importe moment monsieur qui a pris le code. Et me quitte m'di ou, c'est monsieur, oui, conseil présidentiel la envie remplacer. Tché woy! C'est monsieur, oui, conseil présidentiel la envie mette pour remplacer Dominique Dupuis. Pourquoi attendez ça, SDS Doula? On moun Dominique Dupuis gen clash ensemble avec lui. Parce que te gen gros bouche louvri en li même ensemble avec Dominique Dupuis. Le Dominique Dupuis rive dans le ministère affaires étrangères, dans MAE. Li wè gon scandale. Li wè gon gagote, gon désordre. Et li estime désordre là. Yon nan moun ki provoke désordre là. Yon nan moun ki mette désordre là. C'est monsieur Avey. Kounya là. Li mette monsieur sous liste moun ki doit faire objet d'enquête. Pas de te dire gon paquet cadre dans ministère affaires étrangères qui fait objet d'enquête. Yo dit ULCC pral enquêter sous moun sa yo pour chercher konnen on sait de action moun sa yo te konn a mené en dans pays a. Ou attendre bagay ça. Eh ben monsieur nan liste là oui. Kounya c'est monsieur qui signe lettre Dominique Dupuis. Et selon toute information c'est monsieur qui en pole position qui t'a dû al remplacer Dominique Dupuis. Tenez bien, oui, le peuple. Mais on ben nèg qui dit a fait pays. Et Dominique Dupuis, dans des marches, l'a fait depuis quelques jours là. Nous tous nous sentis dans des marches, Dominique Dupuis, ou senti gon espoir. Ou senti ministère affaires étrangères qui te positionné, qui te stagné, qui pas ta prégler, ou mec, qui pas ta prégler, ou senti en quelque sorte gon souke quoi qu'a fait. Gon ben moun là qui dans des consuls, qui non sait de consulat depuis des dizaines d'années, qui va jamais quitter poste là, non. Et comme si acheté ou te acheté espace là, oui. M'a comme si vous comprenez. Et gon pas quelques petits jeunes qui qualifiés,
un paquet de monde qui qualifié, qui a capacité, qui a compétence, qui n'est qu'à remplir le job là, qui n'est qu'à faire le job là correctement. Et mais là, Dominique Dupuy vini, il y a un travail qui fait, c'est remplacer, comment ça peut remplacer Mounzaïo, Moun qui était là depuis 1804. Yo. Moun qui était là dans le poste, yo, depuis 10 ans, Dominique Dupuy remplacé. Yo. Et on sentit dans la tête MAE commencer mon petit souké quoi. Et puis, bon, je me dis, il y a des matchs qui ont fait là pour Haïtiens qui vivent en République Dominicaine. Pour avoir un traitement qui plus ou moins. Et mais c'est grâce à Dominique Dupuy. Il y a des matchs diplomatiques qui ont fait pour qu'il y ait un souké quoi, oui. Et puis, quand il y a ces gens, et on va le révoquer. Ça a toujours arrivé, tu as gagné incidence diplomatique, ça arrive même dans les grands pays. Mais li ba explication, li dit, ça, on dit, toute démagogie, yo sorti bon côté États-Unis. Et tu as tant d'explications, tu as bail là. Il dit, c'est système américain, même son système, son bagage automatique lié. Donc, yon grand président, yon premier ministre, le larga de li oué. Le système n'a gardé le nous n'avons pas qu'être président, le système n'a dit pas qu'à comprendre ça, pas qu'à traiter. Et finalement, qui s'est fait après? Mais ils étaient obligés, mesdames, messieurs, de faire de manière manuelle pour rentrer plusieurs présidents, pour nous laisser Voltaire, Edgar Leblanc, etc. Il n'était pas explication. Mais quand il y a là, le gouvernement ou bien le conseil présidentiel, ils ont senti pas satisfait, mais qui t'aime dire où? Et pas Dominique Dupuy, ils ont révoqué, c'est Gary Conny, focus sur Gary Conny, il était. Mais comme yon konne gare konne bien branché, comme yon konne gare konne bien racine, comme yon konne ki kote gare konne bien planté, yon konne yon pa ka revoke gare konne, et puis yon mette le cap sous Dominique Dupuy. Mais, moun samdou ki si en let la, c'est moun ki te nan cabinet Victor Généus. C'est nek ki te fait partie de cabinet Victor Généus qui fait que sont revoke la. Yo fait que sont évoqué Victor Généus et qui a un gros problème ensemble avec Dominique Dupuy tellement qu'on sait le dossier pas clair, on sait le dossier louche dans tête MAE. M'a pas si comprendre. Mais c'est ça qu'a fait là un moment là. Donc l'on pense nèg yo pral mettre l'ordre, l'on pense nèg yo pral poser une action pour montrer que il a rétabli état de droit etc., l'autorité de l'état et pourtant nèg yo c'est ti cause personnel yo qu'a réglé. Vous comprenez? C'est petit cause personnel. Donc, ces problèmes, ils ont eu ensemble avec Gary Conny, mais ils n'ont pas qu'à prendre Gary Conny, ils n'ont pas serré là sous Dominique Dupuy. Et selon un pile monde, Dominique Dupuy, c'est protéger Gary Conny lié. Donc, c'est ça que fait. Moi-même, je suis, je regarde pour moi. Ça qui m'a demandé qui force Dominique Dupuy gagne. Je ne qui contacte Dominique Dupuy. Je ne exactement qui, vous comprenez, qui capacité, qui ça le café, je ne connais. Sauf à ce que vous nous dites, mesdames, messieurs, situation est très tendue, côté ma parole là. Et en tant que conseil présidentiel, là même, il y a un problème pire parce que vous voyez qu'on est qui est, mais il n'y a pas Edgar Leblanc encore. Il n'y a pas Gadi Leblanc encore. Edgar Leblanc, 7 octobre, qui vient là, pour conseil présidentiel, Edgar Leblanc met fait mal à lui. Comme l'a toujours été comme membre conseil présidentiel là, mais a fait siéger comme coordonnateur conseil présidentiel là, il dit, eh bien là, il va gagner. Et nous-mêmes qui t'ap suivi émission hier après-midi dans live là côté m'tap dit nous que Dominique Dupuy on dit plutôt Edgar Leblanc il est très mal vu par les autres conseillers présidentiels par rapport avec discours de présenté parce que moun yo estimé monsieur manque blanc dégâts. Yo estimé monsieur dit on sait de bagaille qui était trop fort, yo estimé monsieur était dépassé dans sa t'ap dit yo. Yo estimé qui sorti monsieur fait qui déclaration monsieur fait li pas de faire par exemple mandé la France pour payer nous l'argent pas gon nèg là donc t'as souhaité pour en position pour mandé comme ça camper en face d'Donald Trump qui pral dans élection là ti morceau d'Donald Trump ka président pas gon nèg là nous qui gen courage veut t'ap ka camper pour faire Edgar Leblanc fait moi me dit non bagay ouais des fois faut qu'on accepte pour dire quel que soit genre situation yé ou on ka perdu mais sacré les réputations on kembel. Ou pose une action. Ou là, je garantis. Edgar Leblanc a rentré dans l'histoire. Je garantis ça. Edgar Leblanc a rentré dans l'histoire. Comme il y a un président d'Haïti, même avec Jean-Bertrand Aristide, qui était complètement détruit l'argent indépendance. Nous sommes rentrés dans l'histoire. Kounya, si on est dans l'âge ça, ou pas qu'à poser action pour utile la République, qui l'a posé action pour utile la République? Si malgré l'âge, monsieur est là, si malgré l'âge, nèg ça est là, et l'a regardé, ou a regardé où son bon grand monde. Sou ban moun la République ta dwe gen espoir sou yo, la République ta dwe fier de yo. Même pourtant c'est moun sa yo qui a posé une série d'actions pour craser la République. Sou ban moun, c'est même moun sa yo qui a posé action, mesdames, messieurs, pour réduire capacité peuple ça. Donc,
clash là li imminent côté n'a parlé là en dans conseil présidentiel là gen gros clash gen gros problème donc yo pas connait qui est moun yo pral mettre pour remplacer lui Gérald Gilles et ou bien Edgar Leblanc et équipe Gérald Gilles là lui même il a frappé ah oui équipe lui Gérald Gilles là yo campé tout même yo dit a frappé pendant ce temps ULCC lui même rapport nous à 98% rapport ULCC a fini mes amis nous prenons toyuboyu nous prenons bouilli vide nous prenons meli melo nous pas même connait sous qui pied pour marcher tellement situation difficile tellement bagaille compliqué dans moment n'a parlé là mesdames messieurs donc c'est une situation extrêmement tragique côté que pays a nous pas qu'à entendre nous sous rien côté que malgré toute année qui passe jour passe bon en imaginer conseil présidentiel ensemble avec Gary Conille moun sa son quantité jour gain nous comme ça moun sa pas gain tout pouvoir pas bon pouvoir 3 ans 4 ans 5 ans mais moun sa de remettre pouvoir là 7 février 2026 donc ça veut dire moun sa c'est environ 1 an gain dans mais là vous comprenez moi environ 1 an. Kounya là, comme si yo tellement senti yo gitan devant yo, au lieu pour poser un série de actions pour aider la République sorti dans niveau lié là, il a posé action malhonnête, yo n'a gardé sous l'autre, il a posé un série de actions côté que mais kounya là entendez yo pral nan cause révocation. Pendant ce temps, yo paquet bagay pour faire, yo pas faire non. Yo gi sécurité pour mettre dans pays, yo pas mettre sécurité. Yo conseil de travail pour fond de pays pour faciliter la vie reprendre. Yo là faire conférence de presse, marcher tout côté, dit la vie reprendre et pourtant moi ensemble avec nous pas ouais côté la vie reprendre en vrai. OK? Nous pas ouais côté la vie reprendre. Donc et pourtant yo même, c'est dilatoire à faire tout côté au passé, il a fait connait que grand pile travail qu'a fait gouvernement travail, gouvernement en chantier etc. Mais moi avec nous ouais, pas rien de très sérieux vraiment qui a fait dans la République. Gary Conille dans cadre ouverture des classes lundi ou bien mardi 1er octobre 2024 là, il était profité visiter lycée jeune fille. Lycée jeune fille, nous connaît qui était dans grande difficulté côté que il était en construction et te gon paquet moun ki te obligé al Gary Bosco ou bien al poser basio la en dans lycée parce que bandi exam te chassé ou sorti la caillou sorti carrefour faire non série de zone donc yo te obligé al prendre lycée comme espace comme abri donc Gary Conille monsieur li visite lycée et il te profite entretenir ensemble avec élèves yo nous invite au suivre mesdames messieurs comment ça te premier jour comment passé avec moi, il y a un tien ce que tout le monde a l'école. Et la partie fait tout ça, nous sommes capables de faire un nouveau budget. Pour la première fois depuis des années, nous augmenter le budget éducation nationale de manière significative. Nous avons une disposition pour accompagner les parents, c'est pour ça que nous avons une subvention pour les parents. Nous avons un livre gratis que nous avons distribué, nous avons un kit que nous avons distribué. Nous avons toute disposition pour aider les parents dans la mesure de nos moyens. Évidemment, nous avons dit que le matin, nous sommes satisfaits. Pas satisfait parce que nous toujours gagnons près de 40 écoles qui sont occupées. Donc, il y a 40 écoles pour petits, nous n'avons pas qu'à gagner l'espace que l'habitude gagne pour aller à l'école, nous gagnons pour faire mieux. Et nous continuons de travailler pour faire mieux. Nous jouons des gens, nous mettons sous pied arrangement pour que nous puissions récupérer l'école. Pas satisfait parce que le monde de l'école privée, nous n'avons pas joué toute qualité d'aide pour nous joindre, pour faciliter, alléger par un effet scolaire. Nous gagnons pour nous faire plus. Je dis à la. Et le président Pierre Leblanc, avec le ministre, lancé le premier jour de l'école là, dans un local. Nous avons plus côté pour construire l'école, mais nous avons plus pour nous faire une question de l'école là, parce que nous avons plus côté pour nous construire bon l'école, vraie l'école, avec jardin, avec bibliothèque, avec informatique pour tout le monde. Donc nous pouvons pour nous lier côté pour lier la matière de accès à l'éducation pour tout le monde, qui est l'avenir au pays. Mais par contre, l'histoire, ce n'est pas seulement une histoire négative, c'est une histoire de directrice, c'est une histoire de parents, c'est une histoire de un groupe de monde qui a fait tout ça capable, avec les moyens pour être capable d'assurer que les gens soient à l'école. Mais la vérité, je dis à mon pensée spécial tout, pour des dizaines, des centaines de gens qui n'ont même pas qu'à venir à l'école, je dis. Ils n'ont pas qu'à venir à l'école, je dis, parce qu'ils ont pris en otage par gang. Ils ont pris en otage par groupe armé. Je ne suis pas bien privilégié, je dis, pour le digital en salle de classe. Je profite pendant là pour me dire par un petit monde que nous sommes libérés. Pour me dire que même dans le pays de guerre, l'école, et si l'école sont pas sacrée. Je dis, premier jour de l'école, là, c'est un jour d'unité liée pour nous, autour d'un bagage que tout haïtien comprenne. Nécessité pour tout le monde à l'école, à l'apprendre, à faire amis, à l'apprendre socialiser. L'école, là, son droit sacré. Tout parent, tout haïtien, tout monde, tout secteur privé, nous faites pour solidaire à principe pour tout le monde place liste l'école. Donc je dis à ma femme, ça m'a promis à tout le monde
et qui a parents qui fait gros sacrifice pour ces gens là en fait. M'a demandé tout le monde qui est capable pour ton contribution pour amener l'école là fait bien pour passer bien pour faire assez pour faire contribution et m'a assuré que le gouvernement que moi-même m'a dirigé m'a continué à faire tout ça capable pour assurer que année scolaire ça au moins passer bien continue. Sous question de placer on fait 2 mois là nous presque chaque semaine sur l'école. C'est un gros problème pour nous et nous pouvons nous joindre des solutions non seulement parce que c'est l'école qui occupe les besoins de l'école, mais c'est parce que nous vivons dans des conditions très très difficiles. Et la réponse est oui. Nous avons avancé et nous continuons à avancer. Nous avons des problèmes que nous avons essayé de résoudre dans les prochains jours. Et nous espérons qu'au fur et à mesure, nous connaissons qu'il y a au moins 4 écoles qui ont fait vos progrès. Mais c'est beaucoup assez. Nous espérons que dans les prochains jours, après, ça n'a fait comme on a fait avec des placés. Un problème de caille, de logement pour vous, il faut que nous soyons sûrs que nous avons des logements distants. Nous ne pouvons pas retirer l'école là pour la guerre dans la rue. Nous obligés par un accompagnement, ce que nous avons essayé de faire, mais ça prend du temps, le contexte n'est pas difficile. Avec moi, il y a un tient à ce que tout le monde à l'école. Et la continuer à faire tout ça, capable de faire un oublié budget. Pour la première fois depuis des années, nous augmenter le budget de l'éducation nationale de manière significative. La bonne disposition pour nous accompagner par un, c'est pour ça que nous avons une subvention pour parents. Nous avons un livre gratis que nous avons distribué, nous avons un kit que nous avons distribué. Nous prenons toutes dispositions pour les parents dans la mesure de nos moyens. Évidemment, nous avons dit que le matin, nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons toujours gagné près de 40 écoles qui sont occupées. Donc, nous avons 40 écoles pour dire que nous n'avons pas qu'à gagner l'espace que l'habitude de gagner pour l'école, nous venons pour faire mieux. Et nous continuons de travailler pour faire mieux. Nous avons des gens, nous avons mis sous pied arrangement pour que nous puissions récupérer l'école. Nous ne sommes pas satisfaits parce que le monde de l'école privée et tout, il n'y a pas besoin de toute qualité d'aide pour rejoindre, pour faciliter, alléger les parents dans le fait scolaire. Nous bien pour nous faire plus. Je dis à la et président Gérard Leblanc avec le ministre lancer nos missions de l'école là dans un local. Nous bien plus côté nous construire l'école, mais nous bien plus pour nous faire la question de l'école là parce que nous bien plus côté pour nous construire bon l'école, vraie l'école avec jardin, avec bibliothèque, avec informatique pour tout le monde. Donc nous pouvons pour nous lier côté pour lier la matière de accès à l'éducation pour tout le monde, qui c'est l'avenir au pays. Mais par contre, l'histoire, ce n'est pas seulement une histoire négative, c'est une histoire de directrice, c'est une histoire de parents, c'est une histoire de un groupe de monde qui a fait tout ça capable, avec les moyens pour être capable d'assurer que les gens eux-mêmes à l'école. Mais la vérité, je dis à mon poste spécial tout, pour des dizaines, des centaines de petits gens qui n'ont même pas venir à l'école, je dis. Ils n'ont pas venir à l'école, je dis, parce qu'ils ont pris en otage par gang. Ils ont pris en otage par groupe armé. Je n'ai pas bien privilège, je dis à vous, je suis allé en salle de classe. Je profite de là pour me dire par un petit monde que nous sommes libérés. Pour me dire que même dans le pays de guerre, l'école et l'école sont sacrés. Je dis à premier jour de l'école, là, c'est un jour d'une délire pour nous autour d'un bagage que tout haïtien comprenne. Nécessité pour petit monde à l'école, à l'apprendre, à faire amis, à l'apprendre socialiser. L'école, là, c'est un droit sacré lié. Tout parent, tout haïtien, tout monde, tout secteur privé, nous fait pour solidaire à principe pour tout le monde place liste l'école. Donc je dis à ma frère, ça m'a remercié tout le monde, incluant parents qui fait gros sacrifice pour tout le monde là en terre. M'a demandé tout le monde qui est capable pour ton contribution, pour amener l'école là fait bien, pour passer bien, pour faire assez, pour faire contribution. Il m'a assuré que le gouvernement, que moi-même, m'a dirigé, m'a continué à faire tout ça, capable pour assurer que l'année scolaire, ça au moins passé bien. Sous question de placer, on fait 2 mois là, nous réunissons presque chaque semaine sur l'école. C'est un gros problème pour nous et nous pouvons nous joindre des solutions. Non seulement parce que c'est l'école qui occupe les besoins de l'école, mais c'est parce que nous vivons dans des conditions très, très difficiles. Et la réponse est oui. Nous avons avancé et nous continuons à avancer. Évidemment, nous avons des problèmes que nous avons essayé de résoudre dans les prochains jours. Et nous espérons qu'au fur et à mesure, nous connaissons qu'il y a au moins 4 écoles pour nous faire vos progrès, mais c'est beaucoup assez. Nous espérons que dans les prochains jours, après, ça n'a fait comme on a fait avec des placés. Un problème de caille, de logement pour vous, il faut que nous soyons sûrs que nous avons des logements distants. Nous ne pouvons pas retirer l'école là pour la guerre dans la rue. Nous obligés par un accompagnement, ce que nous avons essayé de faire, mais ça prend du temps, le contexte n'est pas difficile. Combien de jours nous avons passé pour avec moi, il y a tient à ce que tout le monde à l'école. Et la continuer à faire tout ça, nous sommes capables de nous oublier le budget. Pour la première fois depuis des années, nous avons augmenté le budget de l'éducation nationale de manière significative.
la bonne disposition pour l'accompagner par un, c'est pour ça que nous avons une subvention pour par un. Nous avons un livre gratis que nous avons distribué, nous avons un kit que nous avons distribué. Nous avons pris toute disposition pour les parents dans la mesure de nos moyens. Évidemment, nous avons dit que le matin, nous ne sommes pas satisfaits. Pas satisfait parce que nous avons toujours gagné près de 40 écoles qui sont occupées. Donc, nous avons 40 écoles pour petits, nous n'avons pas qu'à gagner l'espace que l'habitude gagne pour aller à l'école, nous avons pour faire mieux. Et nous avons continué le travail pour faire mieux. Nous avons des gens, nous avons mis sous pied arrangement pour que nous puissions récupérer l'école. Nous pas satisfait parce que le monde de l'école privée et tout, nous pas joindre toute qualité d'aide pour joindre, pour faciliter, alléger par un effet scolaire. Nous avons bien pour nous faire plus. Je dis à la et président Victor Leblanc avec le ministre lancé pour mettre l'école là dans un local. Nous avons plus côté nous construire l'école, mais nous avons plus pour nous faire la question de l'école là, parce que nous avons plus côté pour nous construire bon l'école, vraie l'école, avec jardin, avec bibliothèque, avec informatique pour tout le monde. Donc nous pouvons pour nous lier côté pour lier la matière de accès à l'éducation pour tout le monde, qui est l'avenir au pays. Mais par contre, l'histoire, ce n'est pas seulement une histoire négative, c'est une histoire de directrice, c'est une histoire de parents, c'est une histoire de un groupe de monde qui a fait tout ça capable avec les moyens pour être capable d'assurer que les gens eux-mêmes sont à l'école. Mais la vérité, je dis à mon poste spécial tout, pour des dizaines, des centaines de petits gens qui n'ont même pas qu'à venir à l'école, je dis. Ils n'ont pas qu'à venir à l'école, je dis, parce qu'ils ont pris en otage par gang. Ils ont pris en otage par groupe armé. Je même pas bien privilège, je dis, pour un petit talent salle de classe. Je vais profiter pour me dire par un petit monde que nous sommes libérés. Pour me dire que même dans le pays de guerre, l'école et l'école sont des choses sacrées. Je dis, le premier jour de l'école, là, c'est un jour d'unité liée pour nous autour de nos bagages que tout haïtien comprenne. Nécessité pour petit monde à l'école, à l'apprendre, à faire des amis, à l'apprendre socialiser. L'école, là, son droit sacré lié. Tout parent, tout haïtien, tout monde, tout secteur privé, nous fait pour solidaire principe pour petit monde place liste l'école. Donc je dis à ma femme, ça m'a remercié tout le monde, incluant parent qui fait gros sacrifice pour petit monde là en terre. M'a demandé tout le monde qui est capable pour ton contribution pour amener l'école là fait bien, pour passer bien, pour nous faire assez, pour faire contribution. Il m'a pas assuré que le gouvernement, que moi-même, m'a dirigé, m'a continué à faire tout ça, nous capable pour assurer nous que l'année scolaire, ça au moins passe bien. Sous question de déplacer, on fait 2 mois là, nous presque chaque semaine sur l'école. C'est un gros problème pour nous et nous pouvons nous joindre des solutions. Non seulement parce que c'est l'école qui occupe le besoin de l'école, mais c'est parce que nous avons vécu dans des conditions très, très difficiles. Et la réponse est oui. Nous avons avancé et nous continuons à avancer. Nous avons des problèmes que nous avons essayé de résoudre dans les prochains jours. Gary Conny, mesdames, messieurs, qui t'a bâillé impression li par rapport avec réouverture des classes là, difficulté qui gagne, promesse tout que li fait, côté li même ensemble avec gouvernement que l'a dirigé a, yo pral mener toute bataille pour que l'école là li même li va yon réussite pour année a, et pour tout élève yo tout, mais résultat yo catastrophique, oui. Résultat yo catastrophique, ba kon sa ka fait, ba koné ki baguette magique nou ka gen nan men nou pour nous frapper, pour nous permettre à ce que la vie reprenne. Mais qui t'a dit non bagay? Nous avons un résultat qui n'est pas qu'à venir, mais un résultat qui est comme si cap descend à une vitesse vertigineuse là. Mal dit nous, bagay. C'est comme si tu as dit que Timoun a fonctionné à l'image du pays. Ou pas d'accord? C'est un coup Timoun a fonctionné à l'image du pays parce que le nous regardons la situation qui est là, mesdames, messieurs. Le nous regardons l'état pays pour ça qui a passé là. Écoutez, son pays qui a fini. Son pays cap descend dans la gaba, donc ça veut dire que même dans niveau éducation, si moun yo pa gen aucune motivation vraie pour ta envie étudier, tenez bien, oui, on garantit nous. Ouais, si pays a l'a tenté reprendre rail développement, si pays a tenté reprendre rail, si pays a tenté reprendre vitesse de croisière, on garantit ou après résultat qui gen là dans examen baccalauréat, résultat qui gen là dans examen de vie, mieux l'a tout autre chose, l'a différent. C'est sérieux, l'a différent. Résultat obligé différent parce que lorsqu'on va jeune tout le monde a travaillé, tout le monde a frappé, vous comprenez? Tout le monde sur un piédestal, donc petit jeune qui a venu, il a connu c'est espoir, c'est avenir pays, il a pour nécessité pour travailler de manière correcte. Mais si bagarre là c'est qu'on ça toujours été me garantie nous mesdames messieurs, pas grand de sérieux qu'a fait. Vous comprenez? Ou a toujours un résultat catastrophique. Résultat baccalauréat ou là. Son bagarre catastrophique oui. Si moun yo pas sous l'école encore. Yo pas sous étudier. Et l'État lui-même tout, c'est qui programme sérieux le mettait disponible tout. Qui programme sérieux l'État mettait disponible pour permettre à ce que ti moun sa yo yo gon l'autre motivation. Al di nou bagay. On ti moun ka pas assister comme y a touyer maman comme y a touyer papa.
On ti moun kap assiste, comment y a rache ou famille, comment y a coupé pour être ton famille, 11 ans, que le terrain, etc. Comment on pralman de bouti moun sa gon motivation pour le travail à l'école? Je moun pas donne kalbas, frère. Vous comprenez? Si moun sa toute motivation coupé net, oui. Kounya la, nan sa ki gen la yo, nan programme qui a mette yo, m'de dévalé de nouveau secondaire, etc. Est-ce que gon assistance psychologique qui a mette la disponible pour ti moun yo? Et on aurait dû. Vous comprenez? Vous avez mettre un programme psychologique, un assistance psychologique pour les gens. Les gens qui assistent, même mouvement bois calé, les gens qui assistent comme on a braché les gens, comme on a dansé avec du feu sous les etc. Ou pensez que ça n'a pas bon ici de sous-servir les gens? Par contre, vous comprenez? Mais l'État est vague. Vous comprenez? Quand les gens regardé comment bandit a fait des exécutions sommaires, bandit a campé, la vide balle sur les gens, la filmé ça. Comment y a coupé green moun y a mangé etc. Bandi a coupé mosso nan moun nan hein là le passé nan citron etc. passé épice là dans ni mettez sous du feu le manger marron si vous comprenez. Donc après toute action ça yo nous pensons un petit moun comme si li pral aussi à l'aise là pour la pas prendre l'école comme si ba yo était normal non ou après m connais gars pile ancien k'ap tande m la k'ap gade m la. Ou après motivation te gen pour nous te apprendre l'école et pas même motivation gen là pour ti jeune qui vient là et pas même motivation et pas même bagaille et pas même bagaille raison simple c'est parce que moi longtemps on dit te gon stabilité dans pays l'esprit nous te stable pour te apprendre m'pa de douane ti moun nous parce que gon paquet ti moun de nos jours vraiment qui pas sous l'école et pas de douane m'a de douane nous mais m'a montre gen évidence m'a montre aujourd'hui là mon situation qui présentait en face nous c'est-à-dire gien raison pour que ti moun aujourd'hui là yo pas trop sou apprendre l'école parce que situation qui gien là en Haïti donc ou senti ti moun yo même tout il a fonctionné à l'image du pays tout ça qu'a fait là yo ti moun yo conformé yo avec temps présent avec situation Jean pays a là donc c'est ça qui fait en pile dans yo pas capable apprendre l'école donc réouverture des classes là lui-même li fait de manière correcte et m'attendé incident donc ça veut dire l'école là il ouvri mais songe gon paquet professeur avec directeur d'école yo t'a manifesté yo t'a demandé l'état ba yo augmentation de salaire hein du jamais vu du jamais entendu des directeurs d'école des professeurs d'école y a manifesté pour demander plus bon conditions de travail professeur qui a formé moun qui pour venir premier ministre qui pour venir président qui pour venir ministre éducation qui pour venir sénateur et député et c'est eux même qui dans situation extrêmement difficile donc mesdames messieurs l'école là il ouvri. Mais j'en ai dit là, ça va me dire pas de gagner des incidents. La police, ensemble avec pompiers, ils ont procédé avec des séances de nettoyage en dans aéroport ou bien en dans commissariat qui est dans aéroport international, tous ces ouvertures. Nous songeons, les gars, ils ont pris un contrôle commissariat, ça, ils ont mis du feu là-dedans, ils ont lancé à ce 29 février qui se passe là. Depuis le ça, donc commissariat ça, la police pas vraiment gagné contrôle lui. Et ben dans ce sens ça, il y a des travaux de nettoyage qui lancent côté la police pour aller reprendre contrôle commissariat pour aller refonctionner normalement. Nous invitons à suivre comment ça t'est. Nous dans commissariat qu'à Fouaport, nous avons rappelé sous commissariat ça qui était incendié jour qui était 5 mars, 4 pour l'ouvrir 5 mars et 2024 qui se passait à là. Et bien Negame, te mettez du feu dans le commissariat ça. Jeudi 1er octobre, là, il y a l'autorité a décidé pour que yo relouvrir sous commissariat ça là. Regardez les dispositions qui sont prises. Monsieur qui a pris nettoyer tout espace qui était incendié. D'ailleurs, le commissariat depuis quelques mois là, et était peinturé, bien autorité. Policiers yo à travers toute chaîne appareil judiciaire là qui décide là pour que yo remette campé sous commissariat et Kafou aéroport nous connaît qui sont axes qui est extrêmement important dans ça qui gagne pour avec question sécurité dans zone Kafou aéroport et bien en plus le monde quoi c'est on souffre par rapport avec de Negame et qui souvent bail problème nous capable dit avec quartier populaire, spécialement dans la zone Badelma, eh bien, autorité là qui est vraiment motivée pour que vous remettez campé et sous commissariat et Kafou aéroport là, les amis, n'abgadé là. Et c'est définitivement et sous commissariat ça là, il gagne présence PNH qui est là-dedans, qui ouvrit. Et nous sommes capables de dire que nous sommes responsables
et sous commissariat ça qui est lui-même qui là et tout l'autre policier qui était affecté dans sous commissariat ça tout est répondre présent pour que yo bail un signal avec la population surtout de monde qui et dans zone cafo aéroport ça cap ravitailler et nous et tout et nous connaît là qui sont axes et qui relié et pas et différent et nous capable dire branche nous capable dire donc là et mon yo exprimé et satisfaction et par rapport avec le sous-commissariat Salaha qui déjà lancé un signal que yo relouvri pour que capable continuer de travailler dans servir protéger population bien là n'a suit. Donc voilà et des travaux qui reprennent dans commissariat ça et nous espérer la police libre va reprendre contrôle commissariat ça vraiment pour que il y ait des arrangements qui fait pour population les mêmes les cas senti les gain autorité au bon côté parce que des fois population senti les déboussolé les aux abois c'est parce que la chercher autorité au pas yo vous comprenez imaginez un monde il gain problème avec un bandit vient attaquer il relé la police. Oh, même la police ça relé a capable mettre bandi au courant etc. Donc les sa population li même li senti li délaissé li senti li lagué pour li pa gagne une autorité vraiment qui camper cap aider li. Donc dans sens ça mesdames messieurs et nous souhaiter commissariat li même li reprendre service li correctement et pour que population li senti vraiment li gagne et la police bon côté. Parlant de la police présente bilan diverses opérations li rivé mené et li parlait également sous et arrestation commissaire Tabala n'a parlé de Livenson Gauthier côté nous songer et qui est dans des CPJ qui en isolement depuis quelque temps donc la police yoté font passer sous dossier ça et yo annoncé également diverses mesures à mettre en place pour capable river mettre sécurité dans pays a face à réouverture des classes là et pour capable pour population li même li capable reprendre confiance dans tête li pour activité capable reprendre en dedans pays nous invitons suivre intervention porte-parole en après police n'a parlé de Lionel Lazare dans juridiction Tabac vendredi qui était 13 septembre 2024 là direction centrale police judiciaire DCPJ à travers section homicide interpellé commissaire principal Livenson Gauthier qui était responsable juridiction Tabar. Yo arrêté tout, inspecteur principal Jean-Claude Aimé, cap travail tout dans même juridiction ça, dans commissariat Tabar, avec deux autres civils, qui c'est Robertson Antoine, et Jean Roussler. Cap interpellation ça au fait, dans quatre enquêtes DCPJ apmenées, suite à exécution citoyen Hubert Colo qui c'est un citoyen qui en même temps était un chauffeur taxi. Scène criminel t'est déroulé dans Tabac 41 zone ambassade américaine jeudi qui était 5 septembre 2024. Après prêt qui t'est porté mettez sous témoignage en pile monde qui était dans la zone, et bien, il témoigné que le véhicule service qui affecté avec le commissaire Livenson Gauthier était sous l'ISM crime. Selon l'information qui était de CPJ disposée, il y a un indice, surtout relevé téléphonique, qui montrait à clair que le commissaire Gauthier était dans le parage là, dans le moment d'exécution victime. Comme responsable juridiction, les ignorer fait qui passait et puis pas même produit un rapport sous ça jusqu'à présent c'est DCPJ qui est arrivé saisi de dossier ça n'a fait qu'on est pour Kounia commissaire Livenson Gauthier ancien responsable juridiction Tabac li placé dans isolement faut qu'on dit tout dossier ça dans un petit temps tout coûte pour le déférer devant autorité, la justice compétente. Dans le même sens, ça, nous voulons informer la population que l'opération Cap-Mené dans Badelma, centre-ville, spécialement dans le quartier Bel Air, Solino, Riel Maya, Delma D, a continué. Renforcé chaque jour. Alors, Jean que nous connaissons l'objectif conférence de presse, c'est bagaille qui dit oui.
et ou ap li on bagay, yo bon répète on bagay que même ou pas convaincu de li. On sûr et certain Lionel Lazare pas d'accord avec ça l'ap di là. Mais c'est son job l'a fait. Alors pour monsieur Abdou, la police a continué opération notamment dans Belay etc. Bon, opération campé depuis quelques temps. Pas jamais une explication, non, pas jamais un bagage qui dit nous, mais pour qui ça opération campé, hein? Y a pas aucune note qui sorti, pas aucune explication nous qui dit mais pour qui ça opération campé. Et puis qu'on y a ouais, hein, Lionel Lazare dit nous opération a continué etc. Yo prend nous tout pour des imbéciles. Bon, comme nous comportons nous en tant que tel, hein, nous comportons nous en tant que tel, nous montrer nous c'est des imbéciles et c'est ça que on continue à traiter nous comme des imbéciles, même espérons le peuple ça l'a calé gel pour frapper pied pour dire négo nous pas cobaye, nous besoin vivre, nous besoin fonctionner, nous besoin gain possibilité pour nous fonctionner correct dans pays nous. Nous espérons le peuple ça lui-même l'a trouvé nécessité, hein, la juge bon mesdames messieurs pour lui mettre pied la terre et l'elle mettre pied la terre nous connaît qui ça habitué fait déjà. Le peuple ça décidé de la mettre pied la terre, la faire respecter droit, nous tout nous connaît qui ça qui habitué fait. Donc dans ça mesdames messieurs nous espérons population lui-même la calégé lui on le et la faire nous connaît exactement mais qui ça lui souhaité. En gabé là mesdames messieurs, m'était content ensemble avec nous. M'était prendre plaisir présenter émission ça comme de manière coutumière. Channel là c'est Haïti réflexion et puis c'est moi-même Esdras Fizemé qui était ensemble avec vous avec même vibe là, même fougue là, nous venir la caillou tout feu tout flamme pour nous continuer informer. Restez connectés ensemble avec nous. Prochain rendez-vous c'est pour Bita 4h30 parce que à 4h30 vous connaissez déjà nous gagne rendez-vous chaque jour côté nous fait émission live, nous porter baou actualité à nous peine réalité sociopolitique à nous bouder le baou en dedans la caillou. Restez connectés ensemble avec nous mesdames messieurs, n'a croisé un peu plus tard pour une autre émission.